Amerika gaan, hè? Met ons bedrijven. Wij gaan daar infrastructuur uitbouwen, hè? Wij gaan naar daar met ons kennis en ontwikkeling. Wij gaan een heel continent ontwikkelen en dat staat hier een beetje te roepen, hè? Je comprends pas en fait, hè? Nous on va là-bas, l'Amérique latine, on va développer le sud. Et eux, ils sont mécontents. Non. Écoute, ce qui est... Toi, je vais tuer, vraiment. Allez, vas-y. Hein. En fait, il y a aussi... Ouais. En fait, il y a aussi un quatrième argument, ce qui est très important, mesdames et messieurs. Nous, on va là-bas, en Amérique latine, et on va donner l'emploi aux pauvres latinos. Hein? Ouais. C'est super, non? C'est génial. Hey, on va dans le sud, et on va dans le gelegenheit créer. Allez. Bla, 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 bla. De nouveau, il invente des petites histoires. On connaît assez bien notre historique en Amérique latine. Et qu'est-ce qu'on a vu? Dès que les entreprises prennent le pouvoir, c'est eux qui vont diriger. Et on voit déjà maintenant, comme vous le savez vous tous, que ce sont les entreprises qui vont mettre des pays, des gouvernements devant un cour pénal si eux n'acceptent pas ce que les entreprises veulent. C'est ça ce qui se passe maintenant. Et là, on a eu, il y a 30 ans, jusqu'à il y a quelques années, des dictateurs qui ont chaque fois aidé les entreprises de gérer les choses. Et c'est le droit des syndicalistes et le droit de s'organiser dans des syndicats au sein des entreprises qui a attaqué à ce moment-là. Dus we zien het, hè, nog altijd verhaaltjes die ze vertellen vanuit Europa. Nu beweert hij dat hij werk gaat brengen. Maar wij weten wat het is werk brengen in Latijns-Amerika. Onder de dictaturen was het ook zo. Het zijn de bedrijven die beslissen wat er gebeurt. En vandaag is het zo dat bedrijven de regeringen voor de rechtbank kunnen dagen als er ook maar een strobreed in de weg wordt gelegd. En dat accepteren we niet. Wat we weten dat in de bedrijven het net de arbeidsvoorwaarden zijn die worden afgebroken in de plaats van gecreëerd. De mensen kunnen zich niet meer organiseren. Er is repressie tegen de vakbonden. Er is repressie tegen de mensen die zich organiseren binnen de vakbonden. En de boeren enzovoort. We aanvaarden het niet meer. En we gaan doorgaan zolang het nodig is. En daarom vind ik dat we duidelijk moeten maken in Europa. Voor ze beslissen over de TLC. Stop the killings. Justice now. Stop the killings. Justice now. Stop the killings. Justice now. Stop the killings. Ok, mesdames et messieurs, c'est bien. Ok, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, on va voter. Stop the killings, justice now. Justice now. Stop the killings, justice now. Iedereen, we gaan over tot de stemming. Op basis van de argumenten die jullie hebben gehoord. Aan mijn rechterkant. Het standpunt van de Europese Unie. Aan mijn linkerkant. Het standpunt van de sociale organisaties in het zuiden. Hoe gaan wij stemmen? Wij gaan letterlijk aan de kant staan van de persoon waarmee we akkoord gaan. Het zij meneer Europa hier, het zij onze collega uit het zuiden. Hij staat rechts, hij links. Dus ik stel voor dat iedereen, ook de mensen die daar gezellig soep aan het drinken zijn, voor het podium komen staan, en dat wanneer wij het signaal geven, mensen één of geen kant kiezen. Après ce petit débat très constructif, on va vous inviter à voter donc soit pour l'accord de libre-échange. Ou alors contre l'accord de libre-échange. On va voter. Tout le monde vient au milieu ici. Alors, on prend position. Mais d'abord, tout le monde vient ici. Tout le monde.
Tout le monde au milieu. Privatisons tout. Et maintenant, on vote. Il y a une ligne ici. Les gens qui sont ici, ils votent pour l'accord libre-échange. Les gens qui sont ici, ils votent contre. Voilà. Pour l'accord, oui. Il y a encore des gens là-bas qui votent pour l'accord. In de eerste plaats camouflage. Dus ik denk dat het vrij duidelijk is. Wij staan aan de kant van onze collega's, van de sociale organisaties in het zuiden. Van zij die negatieve gevolgen zullen ondervinden van de vrijhandelsakkoorden. Zij die armer gaan. Laat de discussies stoppen. Zij die armer gaan worden van dit akkoord, de boeren, de arbeiders, de meest kwetsbare groepen. Omdat ook de sociale ongelijkheid in Colombia verder gaat verhogen. En we hebben het al gezien, het ontbreekt ons jammer genoeg niet aan voorbeelden. Daar waar de sociale ongelijkheid verhoogt, daar stijgen ook de mensenrechten. En daar stijgen ook de mensenrechten schendingen. Wat we niet willen. Le vote est clair. Il y a encore quelques personnes pour, mais qui? Parce que cet accord de libre-échange, il est libre pour qui? Pour les grands dirigeants. Les syndicalistes, les droits de l'homme, les ouvriers. Donc la lutte ne fait que commencer parce qu'on est contre tout cela. Ok, we zijn hier vandaag met het actieplatform en we hebben drie concrete eisen voor het Europese parlement. De eerste eis is dat er een democratisch debat zou komen over de vrijhandelsakkoorden. Dat nationale parlementen zich daarover zouden uitspreken en overstemmen. De tweede eis is dat de vrijhandelsakkoorden in de huidige vorm, in de huidige context, niet zouden worden goedgekeurd. En ten derde, dat we op termijn tot internationale relaties zouden komen waar mensenrechten centraal staan, waar waardig werk centraal staat, waar duurzame ontwikkeling centraal staat en niet de handel. La plateforme Stop the King a surtout trois grandes revendications. C'est d'abord, premièrement, qu'il y a un débat démocratique dans nos gouvernements nationaux par rapport à cet accord de libre-échange. Deuxièmement, que cet accord de libre-échange ne soit pas signé, surtout dans le contexte dans lequel il l'est. Et troisièmement, que les relations internationales et surtout pour objectif le développement durable et les droits de l'homme. Alors, pour le moment, il faut savoir que c'est un accord commercial, donc ça veut dire que c'est décidé à l'Union européenne et que nos gouvernements nationaux n'ont rien à dire, mais il y a de grandes chances que ça passe en accord mixte, et donc là, la lutte ne fait que commencer, parce qu'il faut convaincre nos gouvernements nationaux pour pas que cet accord passe. Et donc, on vous invite
à signer des cartes contre cet accord qu'on va envoyer à nos gouvernements, à nos parlementaires, pour faire pression, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce genre d'accord de libre-échange.